association que je préside. Je vais vous dire deux mots de cette association pour ensuite tout de suite commencer la conférence. Cette association, elle a une trentaine d'années. Donc elle est vieille, pas trop quand même, mais assez. Et elle a été créée dans les années 70-80 par des conseillers d'orientation, des conseillers du Pôle emploi, ce qu'on appelle maintenant Pôle emploi, qui à l'époque était la NPE, mais aussi des gens qui travaillaient sur l'insertion professionnelle, qui à l'époque était quand même moins difficile que maintenant. Et ces gens-là partageaient la conviction que l'enjeu, dans un monde qui devient de plus en plus incertain, instable, évolutif, n'est plus d'orienter les personnes, mais de leur apprendre à s'orienter. On était à l'époque dans une situation où les parents qui sont là ont vécu, que les parents qui sont là ont vécu, où on faisait des tests, on passait des tests et on nous disait « Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu peux faire. » Le problème, c'est que ça va bien, ça, quand l'emploi est un emploi qu'on peut penser durable et pour 30 ans, c'est plus compliqué lorsque l'emploi devient moins durable, lorsque l'économie change beaucoup, lorsque les situations familiales évoluent plus rapidement qu'avant, et que donc les personnes sont constamment confrontées à des incertitudes de situation, à des fermetures d'emplois, création de nouveaux, évolution rapide des techniques qui conduisent à ce que, par exemple, la moitié des emplois qui existeront dans 20 ans sont encore inconnus aujourd'hui, et que donc on a besoin que progressivement, les personnes se mettent à penser que l'enjeu n'est pas qu'on les conseille bien pour qu'ils s'orientent, mais qu'ils se construisent une capacité à eux-mêmes s'orienter. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas à accompagner la construction de cette capacité, la construction de ce que nous on appelle le savoir devenir. Vous avez tous sûrement entendu parler dans des entreprises ou ailleurs du fait qu'il est important de savoir. Il est aussi important de savoir-faire. Si on a des connaissances qu'on ne sait pas appliquer, ça ne sert pas à grand-chose. D'où l'intérêt des stages, d'où le fait qu'on parle constamment en ce moment de l'apprentissage, pour dire que ça compte vraiment. Et en même temps, on dit aux gens, mais ça ne suffit pas, et la conférence que j'ai entendue tout à l'heure le disait, il faut avoir aussi un certain savoir-être. Il faut savoir se comporter, tenir compte de l'environnement, respecter les gens, les consignes d'entreprise, etc. Nous, on ajoute le savoir devenir. Il faut aussi savoir construire ses parcours, construire ses aptitudes, analyser les situations et l'incertitude, et à partir de là, construire sa vie. Ce savoir devenir, on peut l'apprendre, on peut s'y former, et je vais essayer de vous sensibiliser là-dessus. Donc voilà le thème général de notre association. Je passe à une première diapo. Pour ceux pour qui c'est une référence trop lointaine, Wolfgang, c'est Amadeus Mozart, le petit monsieur en bas qu'on voit mal sur la diapo, qui est en train de regretter qu'on puisse pas, il puisse pas continuer son piano, c'est Mozart, et donc je vous lis ce qui a marqué. Là, ce qui est en gros, c'est net. Ce qui est en plus petit, c'est je te répète ce que tu feras, c'est je te répète que la musique c'est fini, et l'autre qui répond, papa, tu m'assassines. À quoi ça vous fait penser, ça? À quelle situation que vous vivez au quotidien, ça vous fait penser?
sur des parents, par exemple. Sur des parents, sur leur enfant, qui disent, mais qui angoissent les parents. Comme ils angoissent, si le petit leur dit, mais moi je veux faire de la musique, ils disent, il n'en est pas question. Ils peuvent dire qu'il n'en est pas question. À quoi d'autre ça peut faire passer? On va penser que l'enfant rêve. Il a envie de faire de la musique, mais c'est un rêve, c'est irréaliste. C'est une expression qu'on entend souvent, l'irréalisme. C'est irréaliste. Donc on lui dit, ben non, tu t'entêtes, tu ne vas pas faire ça. Tu vas faire autre chose. Oui. Et donc, lorsqu'on est en train de réfléchir là-dessus, lorsque des affrontements se produisent dans les familles autour de ça, qu'est-ce qu'il y a à la période? Il y a très souvent des rêves. Le rêve pour le jeune de ce qu'il a envie de faire, le rêve de ce qui lui plairait, mais le rêve aussi pour le parent de ce qu'il voudrait que son enfant fasse. Il y a confrontation de rêves. Et souvent, ces confrontations de rêves sont aussi des confrontations à des idées que l'on se fait des réalités. Pas aux réalités. L'idée qu'on se fait que l'informatique, c'est le métier d'avenir maintenant. Et quelles que soient les qualités de mon enfant, c'est ça qu'il doit faire. L'idée qu'on se fait qu'il n'a aucune chance de réussir. Pourtant, il y a bien eu des Mozart. Il y a bien eu des gosses qui ont réussi à faire. Ils ont réussi à le faire. Mais ils ont réussi parce que leur rêve, ils ont réussi à le faire exister. Donc, on va essayer pendant cette conférence de travailler, alors mon cercle ne se voit pas trop bien, autour des trois mots qui sont dans le titre. Comment la capacité à s'orienter peut se construire, sachant qu'on a bien le droit de rêver, et que la capacité à s'orienter, ça s'apprend. C'est ce que je vais essayer de travailler avec vous. Dans un contexte qu'il faut bien comprendre. Il y a très longtemps, la question du choix d'orientation ne se posait pas du tout. Au Moyen-Âge et encore au XVIIIe siècle, on naissait dans une famille de paysans, on restait paysan. On naissait dans une famille de nobles, si on était le premier, on héritait du titre. Si on était le deuxième, on devenait le si on était le troisième, on devenait prêtre. Les places étaient assignées. Il n'y avait pas à se poser de questions. Ce qui a fait que les questions se sont posées, c'est que le monde a commencé à bouger et à se transformer. Et c'est la transformation du monde qui crée de plus en plus de possibilités de choix. On est de plus en plus confronté à la nécessité de choisir un métier parce que le monde se transforme de plus en plus et que les modes, les façons anciennes d'affecter les gens à des positions sociales et à de l'emploi n'existe plus. C'est pas parce qu'on est né dans un milieu paysan, par exemple, qu'on va forcément être paysan demain. D'abord, la société ne le permet pas.
exorbitant, vous savez. C'est pas parce qu'on est né dans un milieu ouvrier de Houillères, par exemple, à Saint-Étienne, qu'on va rester mineur le lendemain. Ça a été possible pendant quelques décennies, ce n'est plus possible maintenant. Le monde évolue, les emplois évoluent, l'incertitude apparaît. On est dans un monde de plus en plus incertain. Un monde qu'on a du mal à prévoir. Un monde dans lequel on ne peut pas prévoir ce que seront les emplois de demain. Ce qu'on connaît le mieux, à condition d'explorer, ce sont les emplois d'aujourd'hui. Les emplois de demain, on ne les connaît pas tellement. Donc l'incertitude domine. Et c'est une incertitude dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus difficile à appréhender, avec des métiers qui sont de moins en moins visibles. C'est très dur, maintenant, de connaître un métier, d'avoir une représentation juste d'un métier. Avant, je voulais devenir boulanger. Le boulanger, je voyais dans ma rue. Ça m'était facile d'aller voir ce qu'il faisait. Maintenant, tous les métiers sont derrière des murs. On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Donc tout ce qu'on connaît des métiers, c'est ce qu'on en lit, c'est ce qu'on entend, c'est ce que les gens disent. On ne peut pas se confronter facilement aux métiers. Donc il y a un vrai problème de connaissance de ce à quoi on se prépare, parce que ce à quoi on se prépare, on ne le connaît que par le discours et le verbe. On ne le connaît pas très concrètement par des expériences, par des mises en confrontation. Or, ce qui fait que quelqu'un comprend bien les choses, c'est plus les expériences que les discours. Le gosse à qui on dit « arrête de t'approcher de la gazinière parce que tu vas renverser une casserole d'eau et tu vas te brûler », tant qu'on lui dit, il tourne autour. Du jour où il s'est brûlé, il n'y va plus. Donc, il y a des expériences qui sont enrichissantes, qu'on comprend bien, d'autres qu'on comprend moins bien. Et le discours, ce n'est pas ce qu'on comprend le mieux, ce n'est pas ce qui apprend le mieux. Ce qui apprend le mieux, c'est les expériences très concrètes. Bien sûr, ce soir, vous allez apprendre quelque chose avec moi, vous avez appris quelque chose avec d'autres. Mais ce que vous aurez appris n'a rien à voir en termes de progression de compréhension avec ce que vous pourriez avoir en vous confrontant concrètement à une mise en œuvre. Et ça, c'est d'autant plus important que maintenant, il faut faire des efforts pour aller au métier. C'est pour ça que je considère, par exemple, que le stage de troisième est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'il est souvent pris à la légère. Parce qu'on va seulement se préoccuper de trouver un stage. Ça y est, j'ai trouvé, papa il m'a trouvé, maman il m'a trouvé. Et on ne fait aucune relation entre une réflexion sur un projet, sur une envie, sur un métier qui pourrait intéresser et le stage de troisième. On fait comme si c'était déconnecté. Et pourtant, c'est une occasion extrêmement importante que le stage de troisième pour découvrir des choses. Donc, on est dans un contexte où il y a montée de l'incertitude et de la complexité et où on va essayer de voir comment on peut articuler orientation, s'orienter, rêver et apprendre. La question c'est, est-ce que on va m'orienter? Est-ce que je vais être orienté? Ou est-ce que je vais m'orienter? Il y a des tas de situations où on est orienté. Là, actuellement, ce que vous êtes en train de vivre avec l'inscription, là, sur... vous savez, là, vous connaissez, vous êtes tous en train de vous embêter, qu'est-ce que je vais faire?
Eh bien, de fait, quelque part, vous allez vous orienter, puisque vous allez décider de saisir trois vœux. Il faudra bien que vous le fassiez, il faudra bien choisir. Mais après, vous allez être orienté. Si vous allez vous retrouver quelque part en fonction des places, etc. Donc, l'enjeu, il est bien avant. Il est bien dans ce que vous allez faire pour voir votre choix de vœu. Et nous, on dit, c'est ça qu'il faut travailler. Mais pas au moment où on est devant la babasse en train de saisir des choix. Avant, dès le stage de troisième, par exemple. Parce qu'on a déjà mené des expériences qui permettent de donner du sens au choix qu'on a envie de faire. Alors j'ai marqué du GPS à la course d'orientation. Alors j'ai essayé de vous expliquer. GPS actuellement vous oriente. C'est un instrument d'orientation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas très acteur face au GPS. Alors bien sûr, il y en a qui parlent avec la dame. Hein? Mais on n'est pas très acteur avec le GPS. C'est le GPS qui vous conduit là où vous avez décidé. Des fois pas, mais peu importe. Donc, quand on utilise le GPS, c'est un peu comme quand on demande d'être orienté. Ce qui importe, c'est le résultat. Je vais aller là, le GPS m'y emmène. Je veux faire un choix de filière, on m'oriente, je dois faire, je le fais. Ce faisant, je n'ai mobilisé aucune compétence autre que celle d'activer le GPS. Quand je fais une course d'orientation, c'est un peu différent. Pour arriver là où je veux aller, je mobilise des compétences qui me permettent d'atteindre l'objectif. Mais ce qui est valorisé ensuite, c'est la capacité que j'ai eue à atteindre votre objectif. Ce qui est valorisé, ce qui est important, c'est le processus qui m'a conduit à choisir. C'est le processus qui m'a conduit. C'est pas le résultat. Et donc, le lendemain, comme j'ai utilisé les bonnes techniques, comme j'ai su mobiliser une méthode pour atteindre l'objectif de la course, je sais à nouveau utiliser cette méthode pour une autre course d'orientation. C'est la même chose pour le GPS. Celui qui sait utiliser le GPS, il veut aller à un endroit, il active le GPS, il y va. Il veut aller à un autre endroit, il active le GPS, il y va. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout la même compétence qui est mobilisée. Dans le premier cas, je suis orienté. Dans le deuxième, je m'oriente. Mais pour m'orienter, je me suis construit une compétence. Je me suis appris à m'orienter. Et cette compétence que je me suis construite et qui se construit progressivement, elle me servira tout au long de ma vie. Parce que la question du métier, de la formation maintenant, elle va se reposer ensuite à la fin de la formation sur, ou en milieu de formation, quelle option je choisis, elle va se reposer après sur quel métier je choisis, quel emploi je recherche, et puis au bout d'un moment, quand je vais me faire virer, quand je vais divorcer, c'est qu'est-ce que je fais? Et je vais, parce que je dis bien, j'ai bien dit, et je le fais exprès, quand je me fais divorcer ou quand j'ai divorcé.
l'articulation situation personnelle professionnelle est constante. Il y a plein d'itinéraires professionnels qui sont transformés par des conditions de vie, des conditions familiales, des tas de situations de ce type-là, et pas seulement par les niveaux d'emploi. Et il faut bien être capable de rebondir là-dessus. Et si je commence dès la terminale à me donner des outils pour choisir, à me mettre en capacité de construire ma capacité à avancer, choisir, explorer les possibilités, les classer, les ordonner, mener des expériences pour voir si ce que je rêve correspond bien aux réalités. Parce que quand je parle de rêve, il y a bien sûr le rêve de celui qui veut être footballeur professionnel, mannequin, etc. Bien sûr, ce serait déjà pas mal qu'il aille voir ce que c'est en réalité. Car le footballeur professionnel, il n'est pas là que quand il joue devant la télé. Hein. Il y a tout ce qu'il fait dans la scène, tout ce qu'il subit dans les vestiaires, il y a tout ça. Il faut y aller. Hein. Et puis le mannequin, c'est pareil. Hein. Les régimes pour faire 50 kilos... donc il y a des choses comme ça qu'on peut rêver, il faut encore se confronter à la découverte du réel, se confronter à la réalité. Mais il n'y a pas que le rêve dans ce sens-là. Il y a le rêve dans le sens qu'on a tous des représentations des métiers des uns et des autres. On s'imagine qu'un métier est ceci ou cela, mais on ne sait pas ce qu'il en est en réalité. Et plus on va se donner les moyens, par un stage, par une visite, par une rencontre, de le découvrir et de le connaître, plus on va être capable d'instruire ses choix. Plus on va être capable de confronter ce qu'on sait de soi-même à ce qu'on aurait envie de faire et à avancer. Donc, apprendre à s'orienter, pour nous, est très important, et c'est par des méthodes qu'on emploie à s'orienter. Alors, la méthode qu'on préconise, c'est toujours un peu la même, c'est quelque chose qui dit que la première des choses à faire, c'est de ne pas s'arrêter au rêve, c'est de le confronter à des réalités, et le confronter à des réalités, c'est explorer cette réalité, la connaître, la découvrir, et aller la vivre sur le terrain. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'un emploi ou une formation, mais un emploi peut-être plus, ça se trouve et ça se crée. Dans le sens que tous ceux qui ont exercé un métier savent bien que le métier tel qu'ils l'exercent, eux, n'est pas forcément celui tel que l'exercent leurs voisins de travail. Chacun s'approprie son métier. Il n'y a pas un modèle psychologique type de la personne qui va pouvoir faire tel ou tel métier. Il y a des grosses tendances, mais il y a aussi la capacité qu'on peut avoir de s'approprier un métier. Et quand on s'approprie un métier, en même temps qu'on le fait, on invente sa vie, parce que la vie est quelque chose qui articule parcours professionnel et parcours personnel. Donc, ce que nous, on dit, c'est que le rêve, il ne faut pas le confronter à la réalité, comme si parfois il était irréaliste et que donc, du coup, il ne mérite pas de conduire à une formation ou un stage ou un emploi. Il faut le confronter à des expériences. Les expériences, c'est le fait que je me pose la question d'un métier, je vais me débrouiller pour rencontrer un professionnel du métier, discuter avec lui. Je vais me débrouiller pour faire un stage. Je vais me débrouiller pour lire des documentations professionnelles. Je vais me débrouiller pour participer à une conférence comme celle qu'il y avait avant sur les métiers commerciaux. Je me débrouille pour multiplier les expériences qui me permettent d'avancer dans ma compréhension du métier. Et la compréhension, la confrontation de ce métier aux représentations que j'en avais avant et à ce que j'ai envie de faire et aux qualités que je crois avoir. C'est ça qui me permettra d'inventer mon parcours et ma vie.
Donc, ce que j'essayais de vous montrer, c'est que du coup, ce cercle qui pense, qui apparemment n'était que d'opposition entre s'orienter, rêver et apprendre, à s'orienter, c'est un cercle qui, de fait, renvoie constamment à l'extérieur. Au fait que plus on est capable de mener des expériences et de les traiter, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, un stage. Il est très fréquent qu'un stage va être fait parce qu'il faut le faire. Dans mon cursus, je dois faire un stage, je le fais. Ce qui est important, c'est de le faire, parce qu'il faut le faire. Puis une fois qu'il aura été fait, on va tourner la page comme s'il n'y avait rien à en tirer. Il y a d'autres façons de vivre le stage. Il y a les façons où on passe du temps à le chercher, à le préparer, à définir les questions qu'on leur se pose et que le stage va permettre de mieux explorer. Il va apporter des réponses à ces questions. Et puis après, une fois qu'on l'aura fait, on va faire ce que nous on appelle le traitement du stage. C'est-à-dire qu'on va donner du sens à ce qu'on vient de faire. Et après, on va en faire quelque chose pour de nouvelles expériences. Ah, ben, tel stage, le métier m'a plu, mais les conditions dans lesquelles il a eu lieu, ça ne me plaît pas. Le mode d'organisation de cette entreprise, ou une grosse entreprise, moi, ça ne me plaît pas. Je voudrais bien être commercial, mais pas dans une entreprise de ce type, ou de ce secteur. Mais comme je l'ai vécu, j'analyse. Et je trie entre ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Mais si je ne me pose pas de questions, si je n'analyse pas mon expérience, je ne peux rien en tirer. Ou pas grand-chose. J'ai trouvé ça il y a deux jours en prenant des papillotes. C'est ma référence culturelle des papillotes. Dans un truc réveillon, là, le chocolatier, j'ai ouvert et j'ai trouvé ça génial. Une épine d'expérience vaut toute une brousse d'avertissement. C'est le coup de la casserole d'eau, là, vous savez. Et pareil. On y va, on fait de l'expérience, et au moins, quand on met le pied dans l'expérience, on tire des enseignements pour soi. Alors j'ai ajouté, pour quand même être un peu plus clair, pour nous une expérience, on a des rêves, on a le droit de les avoir. Ces rêves, il faut les confronter, non pas à la réalité, ça ne veut rien dire. La réalité, elle veut dire pour nous qu'une fois qu'elle devient expérience. Et une expérience, ça se prépare, ça se vit, ça se traite. Et ça t'aide. On en fait quelque chose pour après. Et pour une orientation tout au long de la vie, et pour la construction du savoir de vie. Et ça, c'est un acquis qui ne peut que se développer progressivement tout au long de la vie. Pour nous, l'expérience, c'est le moyen de réconcilier rêve et réalité. On a le droit d'avoir des rêves, mais on a le devoir de les confronter à l'expérience. J'ai un rêve, le problème, c'est pas de savoir si j'ai le droit d'y aller, c'est de me donner les moyens de le confronter à l'expérience. Et d'y confronter en vivant des expériences pour en vivre d'autres. Se confronter à la pratique, aux réalités du terrain, et les analyser. Hop, pourquoi? Il manque une diapo. Bon, ben tant pis. Voilà, j'ai
maintenant, je suis à votre disposition pour une discussion. Oui. Vous pouvez appuyer sur le... Voilà, je crois que c'est ça. Donc, vous parlez de rêve. C'est bien quand les enfants, les adolescents, les jeunes ont des rêves. Quand ils n'ont pas de rêve, qu'ils n'ont pas d'idée du tout de comment s'orienter, j'entends que c'est un très bon outil d'avoir un stage et en effet qu'en profiter. Mais c'est peu dans le process d'orientation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à former, à travailler sur ce process d'orientation? C'est que c'est toujours vraiment effectivement compliqué lorsqu'on n'a rien, mais on est toujours confronté à la question de qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ce qu'il y a là derrière, c'est on lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Moi, j'aime mieux la question qu'est-ce que tu aimes? La question qu'est-ce que tu aimes peut déboucher sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que se pose la question du réalisme, parce que souvent, le « qu'est-ce que tu aimes ?» va sembler aux parents non susceptibles de déboucher sur quelque chose de réaliste. Et donc, il nous semble que de toute façon, si à la réponse « qu'est-ce que tu veux faire ?» il n'y a pas de réponse, il vaut mieux passer par la question du « qu'est-ce que tu aimes ?» Et à quoi voudrais-tu t'intéresser, par exemple, à l'occasion du stage de troisième? Il vaut mieux commencer par ça que par la discussion constante sur « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Mais vous-même, est-ce que vous saviez ce que vous vouliez faire à son âge? Je vais répondre. Non, évidemment, je ne savais pas ce que je voulais faire à son âge. Mais quand je l'ai déjà posé la question, qu'est-ce que tu aimes? Et quand on aime beaucoup de choses sans pouvoir préciser ce qu'on aime le plus, on sait ce qu'on n'aime pas généralement, mais quand on a une palette de 5, 6 choses qui plaisent, voilà, quid. Comment faire pour aller plus loin? Oui, dans des exercices là-dessus, c'est compliqué à expliquer comme ça. La question, du coup, c'est d'avoir un objectif de réalisation. C'est pour ça qu'on pense, par exemple, que le stage de troisième est extrêmement important. Parce que comme il est à faire, le stage de troisième est un stage qui assigne un objectif de réalisation. De toute façon, il faut le faire. Et donc, par exemple, autour de ça, moi, je dirais, dans ce que tu aimes, sachant que tu dois trouver un stage. Sachant que tu dois trouver un stage. Hein? Sachant que tu dois trouver un stage, quelles sont parmi les activités que tu aimes, celles pour lesquelles ça va être le plus facile de trouver un stage, celles pour lesquelles ça va être le plus difficile, comment on travaille là-dessus, comment tu t'articules. Et puis finalement, tu choisis quelque chose qui va faire peut-être le niveau moyen entre ce qui t'intéresse le plus et puis ce qui va être le plus facile à trouver. Donc moi, par exemple, dans ce cas-là, je l'ai déjà fait, j'ai demandé aux jeunes de classer ses goûts par ordre de priorité, parce qu'il faut bien quand même qu'un jour ou l'autre, des classements s'opèrent. Classer ses goûts par ordre de priorité, classer la difficulté de trouver un stage dans ces secteurs-là par ordre de priorité, et puis après, je lui demande d'articuler, de voir quel plan de recherche il va choisir et qu'est-ce qu'il va chercher en priorité comme stage. En articulant choix de ce qui lui plaît et choix de ce qui lui est facile ou difficile. Parce que la vie, c'est toujours ça. On a tous toujours envie de plein de choses. Et on finit toujours par choisir. Le mieux, c'est de choisir avec une méthode. Et si on se forme petit à petit à une méthode, on arrive peut-être à faire des choses.
dans les formations, ça peut être pareil, hein, les formations, on peut faire des schémas de ce type. Autre question ? Et si le stage, moi je pose une question, alors si justement dans ce choix du stage, finalement on va faire un stage et puis on se rend compte que ce stage, ça ne fait pas. C'est raté comme expérience. Non. Ah, c'est exprès. Le stage raté, il vaut mieux qu'il soit raté au moment du stage qu'après. Donc le stage raté est au contraire une bonne expérience, quelque chose qui va permettre d'éliminer un champ. Mais il faut encore être capable de traiter le stage. Qu'est-ce qui a été un échec dans le stage? Probablement pas tout. Probablement pas tout. Il y a sûrement eu des choses positives et des choses négatives. Seulement chaque fois qu'on apprécie quelque chose, il y a toujours à la fois du rationnel et de l'émotionnel. Toujours. Et donc, ce qui peut s'être mal passé, c'est un rapport difficile avec une personne, alors que par ailleurs, au niveau du travail, c'était intéressant. Mais si on n'est pas capable d'analyser la situation en distinguant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, on ne tire pas suffisamment d'enseignement du stage. Et c'est pour ça que dans le questionnement, on ne peut pas se contenter pour traiter un stage d'une question du type « ça s'est bien passé ou pas ?» Les questions, elles sont plutôt du type « comment ça s'est passé ?» Et entre les questions du type « comment ?» et les questions du type « quel avis tu as ?» ça, c'est pas du tout pareil. Si on demande « comment ça s'est passé ?» non pas pour obtenir un jugement de valeur, mais pour savoir ce qui s'est passé concrètement, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que ça t'a plu ou pas, est-ce que là tu as mobilisé des compétences, est-ce que tes cours t'ont servi, comment ça s'est passé dans ta relation avec les personnes, qu'est-ce qui n'a pas été, ah ben ça, ça n'a pas été, donc ça veut dire que ce type de structure hiérarchique ne te plaît pas, ou ça veut simplement dire qu'un caractériel ne te plaît pas, si un caractériel ne te plaît pas, moi non plus, il ne me plaît pas. Donc à ce moment-là, il suffit de trouver une entreprise qui fait la même chose parce que ça m'intéresse, où il n'y a pas un caractériel immédiatement comme chef. Mais il faut aussi prendre conscience que des caractériels, il y en a même partout. Hein. Donc c'est des choses qu'il faut analyser. Nous, on dit il faut traiter les expériences. Donner du sens aux expériences, c'est passer du temps à les analyser pour en tirer des enseignements vers d'autres expériences. Autre question ? Oui, bonjour. Vous dites que tout à l'heure, vous disiez, nous avons des outils. Donc, j'imagine que vous avez des outils au sein de l'association. Est-ce que ce sont des outils qui sont en ligne ? Est-ce que les étudiants et élèves y ont accès en passant par votre association ? Alors, la spécificité de cette association, pour l'instant, elle ne veut pas faire autre chose, c'est de ne faire que de la formation d'accompagnateur. Donc, il nous arrive de faire de la formation parents d'élèves, mais parce que ça nous est demandé par des associations de parents d'élèves. On fait aussi de la formation de maîtres d'apprentissage, par exemple, ou de la formation de gens qui animent des groupes de projets personnels et professionnels, ou de la formation de conseillers du Pôle emploi, ou de la formation des gens qui font du tutorat de RSA, vous voyez, des choses comme ça. Mais de la formation à la demande, du conseil comme il est en train de se faire, ça ne fait pas. Mais on peut vous mettre en relation avec des gens qui font. C'est-à-dire parmi nos adhérents qui interviennent au titre de l'association, il y a aussi des gens dont c'est le métier et qui utilisent leur méthode. Parce que l'organisation de l'association, c'est en gros d'avoir un tiers de retraités, un tiers d'actifs et un tiers de gens qui sont plus ou moins permanents. Et donc,
d'actifs ailleurs, je veux dire. Et il y a des gens, et dans les actifs, il y a beaucoup de consultants. Donc, si vous vous adressez à nous, on vous renvoie à ces consultants. Mais sur votre méthode. Oui. Autre question ? Oui, Camille. C'est où ? Excusez-moi, mais ici. Ah, pardon, monsieur. Je suis en terminale aujourd'hui, que mon stage de troisième finalement ne va pas servir à grand chose, j'imagine. Que post-bac et l'inscription ont débuté et que j'ai 2 mois pour formuler les choix. Compliqué. Je suis en terminale, j'ai un bac à passer. Comment je mets en pratique, comment je trouve des stages en ce moment ? Et comment je m'oriente ? Je fais avec les moyens du bord du moment. C'est-à-dire que, bah, par exemple, venir ici, c'est au moins ce qu'on peut faire maintenant. Hein, c'est rencontrer des professionnels, essayer d'avoir une information de terrain sur la réalité des métiers. Et je me dis que pour la suite, je ne vais pas faire comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que je serai à la fac, par exemple, bah, pour choisir mon stage, je vais peut-être faire autrement. Et je vais m'outiller pour faire de façon plus efficace. Mais dans l'immédiat, il faut que je fasse en ayant le maximum de possibilités de rencontrer des personnes. Est-ce que c'est facile ? Pas évident en 2 mois. Mais si au moins j'en tire conclusion que c'est pas en 2 mois qu'on construit ses choix, ce sera pas mal. Surtout avec le bac à préparer, qui est souvent l'obsession. Hein. C'est-à-dire, on entend souvent des discours, passe le bac, tu verras après. Et comme on l'a souvent entendu, ce discours, on a tendance à se comporter comme ça. Et alors que la construction de parcours, c'est quelque chose qui était compliqué. Mais en même temps, il ne faut pas s'affoler dans le sens que si on est dans une démarche où on considère que progressivement, c'est une méthode à acquérir, ben, il faut que les échecs ou les insuffisances servent d'expérience. Et que si on se rend bien compte, si on analyse bien que le choix qu'on a dû faire cette année n'a pas été préparé dans les meilleures conditions et qu'on comprend pourquoi, peut-être que le choix suivant, on fera un peu mieux. Mais au moins, faut-il traiter cette expérience. Si ce choix rapide, très court, en peu de temps, sans exploration véritable, etc., est fait, qu'au moins il soit traité et qu'on en tire conclusion pour le prochain choix. Et qu'on se dise, le prochain choix, c'est pas comme ça que je dois le faire. Cette fois-ci, ok, j'ai pas pris conscience, pas le temps, et on a le droit. Mais le prochain, j'essaie de me donner un peu de meilleurs moyens de choisir. Autre question ? Une dernière. C'est où ? Sur votre droit. Est-ce que votre livre va ? C'est pour ça que je ne voyais pas, j'étais trop près de moi. Oui. Est-ce que votre, pour favoriser l'expérience de ma jeune, votre structure offre sur l'extrascolaire au-delà des stages qui sont en troisième et seconde pour ma fille, comment ils vont provoquer, comment ils vont rentrer en entreprise avant la convention de stage qui leur permet de rentrer ? Parce que provoquer l'expérience, on peut le suivre tous les jours, bon, mon employeur va peut-être au bout d'un moment me dire « c'est gentil, mais vous allez rester chez vous ». Comment elle rentre dans d'autres stages au-delà des deux qui ont été, entre guillemets, forcés, accompagnés par l'école ? Nous, on préconise que des actions soient menées là-dessus, que des accompagnateurs le fassent, etc. Aide les étudiants, les jeunes à trouver des trucs qui permettent de parce qu'ils peuvent rentrer dans une entreprise avec une convention de stage. Oui. Et votre association fait ce lien ? Non. Mais on donc il faut trouver il y a deux actions. Je voulais juste intervenir concernant les stages. En fait, par le centre consulaire, en particulier par la CCI, sur chaque territoire, on peut avoir ce que vous appelez des mini-stages. Donc, en fait, on peut faire entre une journée et 5 journées avec un conventionnement qui est fait par la CCI et aussi par les chambres de métiers et d'artisanat. Donc, voilà. Par contre, le lieu de stage va être trouvé par la famille ou par le jeune. Il ne s'occupe pas de trouver le lieu de stage, mais si jamais il y a un projet à conforter, évidemment, une fois que le lieu est trouvé, sur un niveau juridique, en fait, voilà, le cadre juridique après existe par les conventions des chambres consulaires. Une question ?
On est dans le délai, c'est à peu près. Merci beaucoup. Bonne soirée.